Merci, mon Jean-Luc. Ouais. Et cette année également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un garçon qui nous a rejoint. Ce garçon, c'est Maxime Guény. Maxime Guény qui est célibataire. Vous avez énormément de succès, Maxime. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, non, mais franchement, vous le sentez ça ou pas avec les filles? Oh, ça se passe bien, ouais. Ça se passe très bien. Ça se passe bien. J'ai des messages vraiment très bienveillants de plein de personnes qui veulent que j'aille boire un verre avec elles. Ah oui, d'accord. Mais même, j'en ai un peu trop. Donc, moi qui n'ai jamais été le cœur de l'intention. Vous n'êtes pas sorti avec une fille depuis 6 mois. Hein. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Pauvre. Regardez, Maxime Guény, le séducteur. Et juste après, j'ai une très belle surprise pour vous. Regardez. Je m'entends très bien avec mes anciennes copines, sachez-le. Il y en a trois. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire, en fait? Ça fait, on va dire, 2 ans. Ah oui, quand même. Tu préfères les femmes plus mûres? Non, pas plus que ça. Oui, vous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Ouais. Ça plaît à Jean-Michel Maire. Très joli. D'accord. Et pas qu'à lui, hein. Merci. Quoi, ça fait Maxou. Maxime Guény va se descendre et va descendre. De non, mais je te le dis, t'es venu ici pour faire du média. Oui, non, bien mais sûr. T'es pas venu ici pour Ken à tout va, non, mais je te le dis. Vous qui nous regardez, alors, ça va draguer à l'ancienne. Tu t'appelles Jessie, c'est ça? Ça fait longtemps qu'on t'appelle comme ça? Toujours depuis ma naissance. Le plaisir de partager, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Mon coup de cœur du jour, c'est Tatiana Silva, la nouvelle présentatrice de TF1. Elle est arrivée après 5 ans de bon. Dis-moi, pourquoi vous rougissez? Ah, je ne rougis pas. Il est amoureux. Il y a du petit dossier entre Maxime Guény et Tatiana Silva. Oui, mais je l'ai trouvé vraiment très, très bien. Maxime Guény, est-ce que oui ou non, vous êtes sur le dos? Non, vous avez pas pris branché. Son number. Oh non. Ah. Si. Oui, mais pour le moment. Ah, il a son 06. Il a son 06. Alors, hey, c'est pas. Hey, oh, hey. Oh, oh, oh. On a mis une petite annonce pour vous. Ouais. Alors, c'est essentiel d'une parodie au départ. J'avais fait la parodie des princes de l'amour et on avait mis une adresse mail, une véritable adresse mail. Et je crois que. Vous avez eu beaucoup de demandes. Hein. 300 mails. Oh, plus de 300 messages pour Maxime Guény. Eh bien, Maxime, je vais vous demander de partir. Quoi? De ce plateau. Bah, je suis très bien ici. Hein. Non, vous allez partir de ce plateau parce que votre vie va changer ce soir, Maxime. Quoi? Allez-y, on va venir vous chercher. Bah, venez le chercher. Merci. Maxime Guény, vous allez aller dans un endroit dans lequel votre vie va changer. Maxime Guény, on va le retrouver dans un instant. Il va prendre une moto et vous allez voir, on va le retrouver. Et je pense que Boulogne. Maxime... Dans le bois de Boulogne. Votre vie va changer. Eh oui, vous verrez, on va le retrouver dans quelques minutes. Maxime Guény, restez bien avec nous. Je pense qu'il va être très, très, très content. Vous allez voir. Merci, très bonne vanne de Jean-Michel Maire. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Merci, Jean-Michel. Vous faites vraiment un prime exceptionnel. Et regardez, Maxime Guény, il est arrivé à l'endroit où il devait être. Maxime, est-ce que tu m'entends, mon Maxime? Est-ce que tu m'entends? Oh! Mais regardez, non. Maxime. Alors là, il y en a un qui est sympa. Il y en a un qui sympa. Il y en a un qui de gueule ou quoi? Une magnifique villa pour Maxime Guény avec toutes les jeunes filles qui lui ont écrit. Non. Les 300 jeunes filles. Alors je sais pas si c'est toutes des jeunes filles qui lui ont écrit, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance. Regardez, Maxime Guény arrive. Ah, le bachelor. Ah ouais. Il faudrait plus de son, les chéris. Ouais. Gâchis. Maxime, est-ce que vous êtes content, Maxime? Alors, et autre? Johnny. Et Bobby, hein, cette année. Et Bobby. Nous irons dorer toutes les extras de Benjamin Castelli, hein. Alors, s'il vous plaît. Lourdeur du mec. Maxime, Maxime, est-ce que vous pouvez aller donner le bouquet de fleurs à la jeune fille qui est au bout du pont là-bas? Au bout du pont. Waouh. Bonjour, madame. L'accueil digne des stars. Waouh. Attendez, Maxime, reculez. D'abord, avant de la voir, il faudrait que vous lui fassiez un petit poème. Non, mais restez sur le pont. Il faudrait que vous lui fassiez un petit poème. Il faudrait dire à l'orchestre de se calmer. Merci. Alors, c'est l'instant poème aujourd'hui. Je suis content de t'entendre. Je suis content de te voir. Tu es aussi belle que la rosée du matin. Toutes les femmes de ma vie aujourd'hui réunies, tu es l'égérie de mes envies. Et grâce à toi, je crois qu'aujourd'hui, c'est le grand soir. Maxime, est-ce qu'elle vous plaît, cette jeune fille? Elle est belle. Elle est très mignonne, franchement, très mignonne. Demandez-lui maillot de pièce, c'est juste parfait. Demandez-lui comment vous appelez-vous, chère demoiselle? Jade. Jade, 4 lettres. Est-ce que, alors... Lettres de l'amour et autres.
Merci. Vous en dites des conneries, hein? Oui, oui, ça m'arrive. Ouais. Maxime, est-ce que vous voulez aller la rejoindre ou est-ce que vous préférez rester de l'autre côté du pont? Bah, vous savez, là, je pense qu'on est à une dizaine de mètres. J'ai des roses d'une grande qualité. Ça sent bon, ça sent la rose. Et je vais venir vous l'apporter avec cœur et amour fraternel pour l'instant. Peut-être. Je vais demander à la jeune fille, est-ce que vous voulez qu'il vienne vous rejoindre? Jade. Bien sûr, j'attends que ça. Elle n'attend que ça. Eh bien, allez-y. Allez, retrouvez l'amour, courez vers elle. Courez vers elle. Courez vers elle. Maxime Guénic, on peut applaudir, qui va venir nous rejoindre. Regardez-le, regardez comme il est heureux. N'allez pas me le noyer, n'allez pas me le noyer. Ça va, Maxime? Est-ce que vous voulez revoir le replay quand même? On va revoir le replay pour ceux qui sont chez eux. Regardez, on va revoir. Attendez, c'est magnifique. Allez-y. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, à mon avis, c'est pas aujourd'hui qu'il va pécho. Merci. Merci. Allez, c'est bon, il va revenir, mon Maxime. Qu'on embrasse fort, qu'on aime fort. Ça va, Maxime? Il est mignon, il est beau, hein. Il est beau gosse, hein. Je l'adore ce mec. Bon.